Et salut à toutes et à tous, c'est Vandal de la Team Zankyo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Épée. J'espère que ça va. Moi ça va. Ah, j'ai la patate là pour le coup. J'ai appris une très bonne nouvelle. Et sur ce, on va pas perdre plus de temps et on va y aller. Et le truc c'est que je suis un peu énervé parce que sur la gauche, il y a un Torgamore. Donc j'aurais pu en capturer un directement ici. Donc ouais. Let's go. Après toi. Il y a un lit, monde. Ah, c'est bon. Bon, je me suis fait avoir une fois et les autres fois, c'est pas de mon fait, on va dire. C'est que j'ai marché dessus sans faire exprès. C'est quoi, c'est un chauffeur de train? Oh, Lazare le cheminot! Comme par hasard, hein, c'est un Lazare. Hein, etc. Rototop! Damn. Pistolet à. Oh! Mais il me fait ça. Bon, il faudrait une capacité aquatique un peu plus efficiente parce que là, comment dire. Pas très pratique. Voilà. Onyx. On va envoyer bastonneuse. Un petit coup de corps perdu en mode. Attends. Ça va être bien pressenti. Hop là. Corps perdu. Malédiction. C'est quoi genre malédiction? C'est augmenter. Non, ça. Ça augmente son attaque, je crois, c'est ça? Et la défense. Ya! Ah bah dis donc. Bon bah. Coup de pied balayette. Effectivement, c'est. Plutôt pratique, hein. Hop là. Hop là. Il y a un point qui. Ouais, sa défense a augmenté, mais waouh! Elle a sacrément augmenté! Quelle force! Je n'ai pas pu résister! Bro, fourbissable. Pourquoi pas? Lanceur, nanana, d'accord. Oh, on a rencontré Team Yell, merci pour votre contribution à mon entraînement. J'apprécie vos efforts. Mais que je ne vous reprenne plus à déranger un Wagomine dans son travail. Mais on voulait pas le déranger, on voulait l'encourager. Bon, la Team Yell s'est reconnue quand elle est vaincue. Allez hop, grand mal. C'est bien beau les encouragements, mais rien ne vaut l'application et les efforts. Dragon! C'est Kabou! C'est Kabou! C'est Kabou! Ta la ta 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 ta! Comment il les a incendiés? C'est pas pour rien que c'est le champion du type feu! Nabil Vandal, c'est bien ça? Les changers recommandés par le maître. Pardon, je suis en plein entraînement, je mets un point d'honneur à offrir un combat des plus stimulants aux challengers. La mine de gare numéro 2 regorge de Pokémon O, un véritable défi pour mon équipe de type feu. Enfin, assez parlé, il est temps de rentrer. Vous êtes en route pour Motorbike, je suppose? Dans ce cas, continuez tout droit, et vous y serez. Allez vous reposer à l'hôtel pour être frais et dispo pour relever le défi des arènes. Au plaisir.
Mais attends. C'est... Non, bah non, Motorbike, on est allé s'inscrire uniquement. C'est vrai, je... Dans ce cas, il y avait... C'était Kabou, le champion de Motorbike. Puis on allait s'inscrire dans ce truc. Je sais pas, ça me paraît un petit peu... alambiqué. Parce que j'ai rien compris. J'aime bien qu'elle passe la nuit à l'hôtel. Les Wagomain de tout à l'heure. Oui, je dis Wagomain. Je m'en fiche, je le dis comme ça. Le Wagomain de tout à l'heure devait être là pour un Poké Service. C'est ce que c'est? Non. Ah, tu sais pas? Attends, je vais t'expliquer. En gros, il y a des gens qui recrutent des Pokémon pour accomplir des missions. Et il paraît qu'on peut leur prêter les nôtres en s'adressant à Infotisma dans les centres Pokémon. En tout cas, c'est ce qu'il y avait décrit dans les notes du frangin. Bon, on se repose à l'hôtel? On a toujours nos chambres au rose bouton d'or de Motorbike. Il faut qu'on soit en forme demain pour affronter Kabou, le champion de l'arène de type feu. J'avoue, j'ai toujours voulu avoir, je crois que c'est quoi, c'est Caraclé lui, ou Judo Crack. Carac. Non, lui, c'est vrai, c'est un Pokémon que j'ai voulu avoir, j'aime bien. Bon, je suis en désavantage en termes de type, hein. Pas prévention. Ah, je l'ai vu, il est un peu gonflé. Mais il s'est dégonflé tout aussitôt. Bon, on va essayer de le capturer. Aïe! Ah, mais arrête de préventionner là, Ziva. Aïe, merde. Il a suffi d'un pied. Oui, j'ai compris. Pam pam la 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 la. Mais bon, j'ai déjà ma choc. D'ailleurs, je sais plus quand est-ce qu'il évolue en match au peu. Mais il faudrait se dépêcher. Oh, perdu! Allez, on va retenter le coup. Mais wesh! Reste! Ah, mais par contre, là je vais plus pouvoir lui faire dégâts s'il continue à se gonfler. Est-ce qu'il peut continuer à se gonfler, à se gonfler, à se gonfler? Et genre après il pète. Genre pouf! Ah, il va enchaîner tous mes Pokémon! Allez, je me casse! Je te capturerai en off, salaud! Ouais, non, je pense que je suis pas loin de la ville. Ah, des noirs fangs et tout. Ah non, mais... Là. Mais attends. Ah, d'accord, je pense que c'était... Attends. D'accord, en fait, j'ai juste pas compris, en fait, le fait de faire un détour comme ça, c'est... Ah,
Ouais, moi j'entends vélo et alors. Machin, Guédin. Et ouais. Attendez, je vais approcher un peu le micro, ça va faire un peu de bruit. Et voilà. Vandal, c'est ça? Eh ben, tu t'entraînes tard. Dis, tu veux bien avoir un service? On peut se faire un combat? Je reste un peu pour le défi, j'ai peur de pas avoir le niveau. Là maintenant, non, c'est un peu compliqué. Ah bah bravo. Eh oh, je t'emmerde moi. Laisse-moi au moins me faire une petite bouteille. Et après, le castagne, si tu veux. Alors. J'ai deux rappels Max, bébé. Voilà. Alors je cherche les potions. Ah voilà. Récupère un PV. Et voilà. Yeah. Let's go. Allez, ok. Youhou, on est là derrière. Ouais, c'est fun derrière et tout. Oh, moi j'y passe là. Si je perds, j'aurai vraiment la haine, mais ça arrivera pas. Ça va faire mal par contre. Ah non! Ah c'est trop bien, il a la trouille. Non, tu triches! C'est pas juste! La la la. Ouais, mais du coup, ça va être spécialisé dans les Pokémon de type combat. J'ai pas de Pokémon vol ou psy pour le moment. Je vais prendre Salamander. Alors je suis pas ni trop charme. Ça fait des trucs normaux. Ça passe. Pourquoi moi j'ai pas de supporter comme ça? Je me sens comme un caca. Puis la musique c'est avec ces espèces de. Je sais pas, de Vuzela ou un truc comme ça, je sais pas. Comment ça peut s'appeler, genre. J'envoie la musique, blablabla. À mort Péco. Ça peut pas finir comme ça, je vais pas le laisser faire. Il y a un truc en permanence blasé en fait. Ah c'est ce truc. Écrit peut-être. Ok, tu l'auras cherché, je vais pas te louper. Oh non, elle m'a mordu. Ah, c'est à me battre. C'est pas rien. Les supporters, ils ont servi à rien. Vu la journée qui nous attend demain, moi, c'est dodo direct. Très bien de faire pareil. Marmar! Très bien. Fallait faire
Salut Vandal. Ouais, elle m'attendait et tout. Mon pote est déjà parti pour le défi des arènes. Il a dit que la carte de Ligue de Kabou l'avait aidé à préparer sa stratégie pour le vaincre. D'ailleurs, il m'en a filé plein. Bouge pas, je t'en donne une. On dirait des prospectus, en fait. Tiens, au fait, c'est cadeau pour hier. Ouais, tu es gentil, toi. Non mais sérieux, t'as grave le niveau pour affronter les champions de type E. Qu'est-ce que t'attends? Fonce choper le badge au stade de Motorbuy. La question c'est, est-ce que je fais ça maintenant? Ou je fais comme les autres fois et c'était dans une vidéo? Bon, le temps que je prends à réfléchir, c'est du temps perdu, dans un certain sens. Alors que l'arène est juste à côté, donc en exclusivité mondialement française. On va faire ça dans cette vidéo. Sauf si vous nous affrontez. J'ai chopé le badge feu, j'ai trop géré. Mais j'ai échoué. Normal, tu me diras pour la de type feu. En tout cas, Kabu assure. Des sorciers grands moyens et franchement, j'en ai bavé. Fonce, Vandal. Kabu est un grand athlète. Et je sais que tu seras de taille. Allez, let's go. Oh, attends. Je suis foulette. Sont les dresseurs capables de défier le grand Kabu vu la difficulté de sa mission d'arène. Es-tu suffisamment échauffé? On peut y aller. Notre mission d'arène n'a rien d'une mission ordinaire. En piste. Ah, c'est Guido. Laisse-moi t'expliquer l'objectif et la mission d'arène du type feu. Il faut capturer un maximum de Pokémon pour marquer le plus de points possible. Il faut 5 points pour gagner. Vaincre un Pokémon tapis dans les hautes herbes te rapportera 1 point. Le capturer 2 points. Mais garde à l'esprit que tu n'es pas le seul en liste, il y a d'autres dresseurs qui participent. Il faut garder un œil sur tes rivaux et adapter ta stratégie en fonction de leurs actions pour engranger un maximum de points. La mission commence! Emilio! Emilio! Ça me rappelle l'épisode d'American Dad, je sais pas pourquoi. Est-ce que je peux mettre KO mon adversaire? Je tente. Nine Schlun, arrête de me dépiter à... Je sais, je fais encore une attaque, je le mets KO. J'ai gagné 2 points. Non merci, je peux pas. 2 points. Challenger Vandal marque 2 points. Je vais juste exploser Goupif dans ma boîte.
Attends, comment? C'est là? Je sais pas. J'ai oublié! J'ai raté mon attaque ou quoi? Ah mais attends, il m'a fait jet de sable à moi le Tritox. Attends, je voulais la jouer fair play, bah bouffe ça toi, voilà. Ah ouais non, par contre ça j'aime pas trop. Hein. Ça, c'était pas très gentil de ta part Diana. Hein. Après peut-être je me suis trompé, mais je pense pas, parce que j'ai vu jet de sable et c'est ma précision qui a diminué. Donc 9 mais 9 hein. Et oh t'es pas un Pokémon rare hein, pour m'emmerder autant. Ah en fait tout augmente quoi. Allez, on retourne de la chaîne ça. Ouais, je suis à 41 points. Bon bah là on va juste le mettre KO. Hein. Pourquoi c'est moi qui prends le châtiment hein? Pourquoi c'est pas l'autre? Pas très gentil. Enfin, à peine j'éteins ta bougie. Ouais, la mission d'arène de Kabou plie en deux temps trois mouvements. Tu vas maintenant pouvoir affronter Kabou, le champion de cette arène. File, Challenger, go, go, go! Je peux plus. Ouais, en même temps, ce serait sympa de soigner mon équipe, mais apparemment, tu veux pas. Je comprends. Ok. Alors, c'est bizarre quand je suis... j'ai perdu la puce de fer. Yeah, ça va le faire. Ouh, c'est chaud, hein. Enfin, je me remets ma mèche, hein. Et comment il a paru lui. Il arrive à côté de moi d'habitude, c'est on sort chacun de notre côté.
Et moi, je suis la force tranquille, hein, c'est j'y vais. Mais... Voilà. Bienvenue. Comme tu le sais déjà, je suis Kabu, le champion de type feu. Si tu es ici, c'est que tu as vaincu les équipes plantées haut de Percy et de Donna. Bravo! Laisse-moi te dire une chose sur les combats Pokémon. L'entraînement, ça ne fait pas tout. Je sais, c'est ironique venant d'un coach. Tout le monde peut s'entraîner, mais il faut aussi être capable de tout donner au moment crucial. Ça commence fort avec un tonnerre, hein. Niveau 25. Collez. Ça me brûle. Lui qu'il est assez vif en plus. Ça va, ça, je prends pas si cher que ça en plus. Je vais mon petit PG. Du coup je vais me taper brûlure et tourbillon de flamme. Un de moins. Parfait. On va switcher. On va envoyer bastonneuse. Arcane, je sais pas s'il est uniquement feu ou s'il est feu et normal. On va être fixé dès maintenant. Peut-être pour intimidation, je pense. Exactement. Mais là, c'est clair que quand tu le vois comme ça, il a plus d'impression que sur les versions portables. D'accord, en fait, je pense que sa technique de prédiction, c'est utiliser feu follet pour infliger brûlure. Et après, affaiblir à tout le monde. On va utiliser Vendetta. Je veux pas nous laisser à. Oh, elle est trop stylée la roue de feu comme ça. J'avoue, elle était stylée. Elle résiste pour que tu existes. J'ai pas eu peur. On va essayer vive attaque. Soigner la brûlure de Blazo et Goupix pour restaurer les PV.
Du nerf, Kabu, tu peux gagner. Fais brûler la flamme qui est en toi. Puise dans tes réserves. Ah bah, c'est son évolution. Au centre, fais exploser ton énergie Dynamax. Change d'apparence avec ta forme Gigamax. Waouh. Les joueurs sont impressionnants. La puissance des flammes s'intensifie. La victoire m'appartient. Ok. Alors. Pour le. Et Seigneur Blazo. Ah, c'est tout, Max. Quand je me dynamax un coup, c'est parti pour l'hydro. Après ce. Ça veut dire que ça fait 3 tours, je crois, non? Dernier tour. Et voilà. Ah, on voit le choc après. Vous avez fait du super bon boulot, ton Pokémon et toi. Cette victoire, vous l'avez méritée. En plus, sous la pluie, c'est encore plus triste. Hein. Ah, la pluie. Bravo, je suis tout donné pour réussir avec brio mon épreuve, qui est souvent considérée comme le premier véritable obstacle du défi des arènes. J'ai beau avoir des années d'expérience et d'entraînement, ça ne suffit pas face au talent. J'aime rencontrer des dresseurs comme toi, qui me font réaliser que j'ai encore des choses à apprendre. Mais tu vois, en plus, avec en petite trotte et tout. Là. Ton équipe et toi, vous irez loin. Je le sens. C'est une bien belle rencontre sportive que nous avons vécue aujourd'hui. Je te donne ce badge feu en récompense de ta victoire. Je me demande comment. À quoi ça va ressembler cette. Ce truc là, je sais pas à quoi ça ressemblait au final, parce que là, le badge feu il est allé s'incruster
au milieu. Je sais pas si ça va être rempli ou quoi. Ou peut-être que justement, d'autres badges vont s'insérer là-dedans. Je sais pas. Vandal, je savais que ça irait pour ton Torgamar et toi, mais sans rire. J'ai stressé de ouf pour vous pendant le combat. Bravo Vandal, tu es à présent détenteur des badges plantes, eau et feu. Du bien beau travail. Accepte cette CT pour fêter tes exploits d'aujourd'hui. Oh mais j'ai besoin de vraies attaques. Et voici également l'uniforme avec le même design que celui de Kabu. Magnifique, non? C'est celui-là que je voulais. Vu ta puissance, tu es en mesure d'affronter les champions qui t'attendent à Kickenham et au-delà. Retourne donc t'aventurer dans les terres sauvages et rends-toi à Kickenham. Avec nos badges, on n'aura aucun mal à affronter les Deep Pokémon qui se cachent tout au fond des terres sauvages. En route pour l'aventure! Et ça y est, on a nos trois premiers badges. J'ai l'impression que ça va être l'enchaînement de quelque chose. Ah, je savais pas que ça enchaînait directement sur quelque chose. C'est bon, Vandal, on y va. Hein? Waouh, vous êtes venu exprès pour me dire au revoir, vous êtes vous, un champion? C'est parce que vous savez que je serai le prochain maître, avouez. Non. Beaucoup de challengers ne parviennent pas à obtenir les trois premiers badges et abandonnent le défi des arènes. Je me fais donc un devoir de saluer le départ de ceux qui y parviennent, et je ne suis pas seul. Ouf, juste à temps. Heureusement que les taxis volants sont là. Vandal, Nabil, bravo, vous avez réussi à vaincre Kabu. Peu de challengers hier, ils parviennent. On est vraiment très fiers de vous. C'est pour ça qu'on est venu vous saluer avant votre départ pour les terres sauvages. Pour fêter cela, j'ai préparé un petit chant d'encouragement. On est les champions. Vous les challengers, rien ne vous fait peur. Continuez de nous faire rêver. Voilà. Les champions d'arène qui vous attendent sont tous redoutables, certes. Mais ne laissez pas cela vous décourager pour autant. Ayez foi en vous et en votre équipe. Merci, monsieur Kabu. Et Percy et Donna aussi. N'en faites pas pour nous, on ira jusqu'au bout. Après tout, on doit s'affronter en finale. Kickenham, nous voilà. En route, Vandal. Alors la musique de Motor Bay, elle me fait un petit peu penser, mais enfin, de loin on va dire, une musique de Détective Conan. Les terres sauvages, comment on se retrouve? Je vous préviens, je suis plus le même. Regarde Vandal, Kickenham c'est par là. En vrai, on pourrait foncer direct là-bas. Mais avec notre badge, on peut capturer des Pokémon bien plus costauds qu'avant. Perso, je pense qu'on ne devrait pas se priver. On va capturer des Pokémon trop balèzes, notre histoire continue. Vous êtes toujours aussi nid à ce que je vois. Désolé de doucher vos espoirs. Mais le défi des arènes, vous pouvez vous faire une croix dessus. Le maître doit vraiment être complètement crétin pour recommander de tels minables. Mon pauvre Nabil. Tu es incapable de lancer une Pokéball correctement. C'est pitoyable. C'est un connard en fait. Je sais même pas de quoi tu parles. Je lance les Pokéball comme un pro. Et te moque pas de mon frangin. C'est le meilleur maître du monde. Qu'il est pénible. Bien. Puisque tu ne veux pas comprendre, que tu fais-tu d'un petit combat? Tu verras tout de suite l'ampleur du fossé qui nous sépare. Arrête un peu de te la jouer. Je sais que dans la mine, tu t'es pris une raclée par Vandal. Et niveau combat Pokémon, on est au coude à coude, moi et Vandal. Donc je vais te laminer. CQFD. Je trouve que tu parles beaucoup des autres, que ce soit de Vandal ou du maître.
Serait-ce parce qu'au fond, tu es conscient de ta propre médiocrité? Je vais l'éclater, il va rien comprendre, il va voir qui c'est qui est médiocre. Ciao Vandal, on se capte à Kikenam. Moi je trace ma route, hein, j'en ai rien à foutre. Ok. Et finalement ça va être l'épisode le plus long pour l'instant de ce let's play. Que d'émotions, que de retournements de situation et j'en passe. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Pokémon Épée. Ciao, bye bye.